Thomas. Dommage, dommage. Reviens, reviens, Catherine. Reviens, c'est Thomas, mais reviens. Tu peux les mettre hors jeu, hein. Un pas, tu les mets hors jeu. Ouh, accablé. Sors dessus! Allez, mec! Allez, on sort ensemble! Allez, Paris! Reste devant, ça, Camé! Reste devant, Camé! Reste devant, Camé! Quand on est mené 3-1, on n'est pas content. Hein. On n'est pas content, surtout qu'on fait beaucoup d'erreurs d'inattention, surtout d'un point de vue défensif. Et à l'heure des charges, elles ne sont pas habituées à jouer ensemble, ces filles-là. Mais malgré tout, il y a un discours qui est tenu en avant-match. Et, elles n'ont pas le droit de fauter autant. On apprend nos erreurs, donc c'est bien aussi. Mais c'est bien aussi pour la suite. Mais j'espère que la deuxième mi-temps sera mieux. Qu'on montre un autre visage et qu'on soit surtout plus coordonné dans nos déplacements, surtout à la perte de balle. Et c'est vraiment un match très plaisant et je suis très heureux que Givisi ait pu réduire le score parce que 3-0 c'était sévère. Et donc là, le match est relancé. Je suis certain qu'en deuxième mi-temps, eh bien, ça va être très agréable. Donc bravo aux deux équipes pour la qualité du jeu. Un petit peu déçu parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'engagement pour un match amical. Mais on sent qu'il y a de la rivalité entre les deux équipes qui sont parmi les meilleures de France, que ce soit en U17 ou U18, mais même au niveau national. Donc c'est une belle promotion pour le foot féminin. Une belle promotion pour la lutte contre le cancer. Il y a la natte de l'Omoy qui est là. Et donc toute la manifestation autour d'Octobre Rose, c'est vraiment une belle promotion du sport, de la lutte contre le cancer et des femmes. Souffle, Kenza, c'est bien, vas-y, Lia, un peu plus vite, hein, ne laisse pas le temps. Et pour venir, reste en place, ouais, Thelma, reste. Alors, il n'y a pas photo, 4-1 pour le Paris Saint-Germain, un entraîneur content. Oui, tout à fait, on est très content déjà d'être ici à Château-Thierry, on a été très très bien reçus et on connaissait nos adversaires, nos rivaux Juvisy. On avait à cœur de jouer contre cette équipe. Je ne savais pas où en était mon groupe d'entraînement. Les deux effectifs sont un peu diminués, mais je pense qu'on a assisté à une belle rencontre et c'est vrai qu'on a pris le large dès le départ. Pas photo, je ne sais pas, parce qu'elles ont été très très fortes en deuxième mi-temps aussi, Juvisy. On
on a quand même résisté à leur assaut sur les 20 premières minutes de cette deuxième mi-temps. Et on a la chance en plus de marquer sur une très belle action, peut-être une des deux ou trois seules qu'on a eues dans la deuxième mi-temps. Donc oui, on est très content du score.